Bah, Jacques, lui, a été distingué dans les concours de fond. Ouais, plus et moi, j'ai été distingué dans les concours de vitesse. D'accord, donc vous êtes tous les deux complémentaires. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est un choix, justement, que vous, vous choisissez la vitesse et vous, le fond? Bah, c'est comme un athlète. Si vous avez des coureurs de 100 mètres ouais. et vous avez des coureurs de marathon. Moi, j'ai choisi des pigeons de marathon. Et voilà, c'est... Bon, c'est une discipline, c'est pas les mêmes pigeons, c'est pas la même. Nous, lui, il va de semaine en semaine, et moi, c'est de 3 semaines en 3 semaines. Et alors pourquoi cette différence de temps? C'est le temps qui revient alors? Pour la récupération. D'accord. Le pigeon, quand il fait à vol d'oiseau, moi je joue 1022 km, Barcelone. Ils sont lâchés du vendredi vers 9h au matin, et le lendemain matin, vers. Si tout va bien, vers 6h au matin, il y a déjà des pigeons. Comment est-ce qu'un pigeon fait pour être lâché à Barcelone et arriver à Armentières sans GPS? Ils n'ont pas encore trouvé, mais bon, bah après, dès le départ, c'est comme une éducation des enfants. C'est-à-dire, vous les mettez à 5 km, après, vous les remettez à 20 km, puis après, on progresse jusqu'à temps de l'âge de 3 ans pour faire ces distances-là. Mais moi, ça s'est transmis de père en fils. C'est mon père qui nous a transmis le virus. D'ailleurs, moi, je suis colombophile. Mon frangin est colombophile. C'est notre père qui nous a transmis ça. Alors, est-ce que justement vous avez pu tout transmettre cette passion? J'ai essayé à mes fils, mais bon, le monde moderne fait que eux, ils ne s'intéressent pas trop à ça. Ils ont d'autres passions. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. Bon, c'est comme ça. Et moi, c'est bah, d'un côté, j'ai un grand-père paternel qui est footballeur. Le côté maternel, colombophile. Moi, je fais les deux, football et colombophile. Et mon fils a choisi le football.